Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 1er mars, voici les titres. Politique, tumulte dans l'opposition, Arvin Boulel démissionne comme leader de l'opposition et Shakil Mohamed en tant que whip. Enquête sur le meurtre de Manan Fakou, Yassine Mitou a participé à une reconstitution des faits aujourd'hui. Les discours et propos tenus lors de précédents rassemblements intéressent la MCIT et vous verrez que c'est un gros dispositif qui a été déployé pour cet exercice. Enquête judiciaire sur la mort de Subramanian Kisten, interrogatoire de Deepak Bonomali et de Vinayapana ce lundi. Culture, voyager dans le temps avec l'exposition The Essence Of. Et sur l'échiquier politique, c'est désormais l'opposition qui occupe les devants de la scène avec la démission du leader de l'opposition, Arvin Boulel, a déclaré ne pas avoir eu de choix. Cette décision me semble être la plus appropriée dans le contexte politique actuel, a-t-il ajouté. Le député rouge s'est rendu à la State House aujourd'hui. Arvin Boulel affirme qu'il ne pouvait pas rester indifférent aux récentes déclarations politiques, notamment celles de Paul Béranger, leader du MMM, et de Xavier-Luc Duval, leader du PMSD. C'est une décision qui me prise après maintes réflexions. Bonne suivre les événements, comment il évoluait. Hein, vous connaissez quand vous nommez leader de l'opposition, surtout dans mon cas, c'était une nomination dans le consensus absolu, obtenant le soutien de tout un chacun. Mais après la conférence de presse, MMM, PMSD et Réforme Party, on prend bonne note, bien sûr, de ce que mon ami Béranger et Xavier-Luc Duval, bien mes amis, aiment que mon leader de l'opposition pour le moment, et Xavier me dit que, bien sûr, la situation est évolutive. Sur les principes qui me font toujours suivre en tant que politicien, faut pas dire, nous sommes humains, nous sommes capables, tout est humain, hein? Mais on dit que dans ce contexte, bien approprié, qui me retient moi comme leader de l'opposition et me laisse le soin à mon camarade qui aujourd'hui, hein, Paul Béranger, qui me dit qu'il y en a le nombre de 15, bien sûr d'aller de l'avant et de proposer un nom. Abordant la situation au niveau de l'opposition, le député rouge est d'avis qu'il ne peut y avoir de division car il faut lutter ensemble contre le gouvernement, selon lui. Quant à son soutien au leadership de Navin Ramgoolam au sein du Parti travailliste, Arvin Boulel répond qu'il accorde son soutien à la bonne marche du Parti des Rouges. Autre démission, celle de Shakil Mohamed en tant que whip de l'opposition à travers une lettre adressée au speaker de l'Assemblée nationale ce matin. Il avait signifié son intention d'emboîter le pas à Arvin Boulel et a démissionné. C'est désormais chose faite. Et le leader du MMM, Paul Béranger, demande à Arvin Boulel de reprendre sa lettre de démission et de facto son poste de leader de l'opposition. À aucun moment, le PMSD, le MMM et le Reform Party n'ont souhaité cela, explique-t-il. Paul Béranger s'est adressé à la presse à l'issue du bureau politique des Mauves en début de soirée à Rosil. « Je n'accepterai pas de devenir leader de l'opposition si Arvin Boulel ne souhaite pas reprendre sa lettre », ajoute le leader des Mauves. Le MMM et le PMSD et plus tard Reform Party, nous, non seulement parti demande Arvin Boulel démissionner comme leader de l'opposition, mais au contraire, nous y souhaitons qui Arvin Boulel continuait comme leader de l'opposition. Malgré ça, ils soumettent sa lettre de démission, d'après ce qu'ils comprennent, ils soumettent sa lettre de démission aujourd'hui au président de la République. Comme le PMSD, le MMM demande lui reprend sa lettre de démission. Je rappelle aux autres qu'il y a un seul point de désaccord entre le MMM, le PMSD, Reform Party et le Parti travailliste. Et il n'a rien à voir avec le poste de leader de l'opposition. Et me rappelle aussi qu'il n'y a aucun moment le MMM pas fait une ingérence dans le leadership, le choix de leadership de parti. Jamais nous n'ingérons dans les affaires intérieures du Parti travailliste. Et nous vous continuez pareil. La question, pas une question de leadership du Parti travailliste, la question, le seul point de désaccord, c'est qui s'en a pour présenter comme Premier ministre éventuel. Clairement, dans sa qualité de campagne qui peut aller là, moi, mon papa a accepté être leader de l'opposition. Parce qu'il a la campagne là pour venir, pour il me faire tout ça là, pour lui révéler leader de l'opposition. No way. No way, donc mon papa a accepté être leader
de l'opposition si Erwin Boulel paraît prendre ce lettre de démission comme leader de l'opposition. Et Xavier Luc Duval a réagi sur la démission d'Erwin Boulel en tant que leader de l'opposition. Le leader du PMSD affirme que le député rouge avait toujours le soutien des Bleus et qu'il ne comprend pas ce qui a pu motiver Erwin Boulel à prendre une telle décision. Mais ça content de clarifier la situation. Erwin Boulel sait très bien qu'il y a non le soutien du parti mauricien pour lui reste leader de l'opposition. Au final, Guetli, mercredi dernier dans ce bureau, on fait une téléphonie ce matin pour exprimer clairement nos soutiens. Donc, on ne comprend pas la raison de cette démission. Est-ce que ce n'est pas plutôt un aile de ce parti qui peut insister pour les démissionner? Moi, pas connu. En tout cas, moi, besoin de redire qu'il y en a le soutien du PMSD pour les restes leaders de l'opposition. Mais à la rentrée parlementaire, est-ce qu'il y a PMSD pour choisir Erwin Boulel comme leader de l'opposition maintenant? Nous pouvons guetter à la lumière de ce qui se passe. Mais moi, je suis un peu surpris quand un bon camarade travailliste fait dire que je parconne la position du PMSD parce que la position du PMSD fait une très, très claire et nette dans la situation. Roshibana a lui aussi réagi à sa sortie du tribunal de Moka sur la situation au sein de l'entente de l'opposition. Le leader du Reform Party a dit ceci, pas fait sa RR trompe adversaire là. En ce qui concerne tout bonne partie de l'opposition, on pensait personne, pas besoin de faire sa RR trompe adversaire là. Nous tout connaissons comment un pays là, il y a d'un trou, des a d'un trou, et la situation jusqu'à la fin de l'année pour venir invivable pour beaucoup de Mauriciens. Alors, bien concentré, là, on fait ça gouvernement là, le plus vite possible. Ça, c'est mon opinion. Qui vous redire par patron plat de l'ACN, bien tient de son Borac. Vous connaissez hashtag BLD? Ouais. Mais bien, vous l'idée au gouvernement là, à cause de ça, ça m'appelle patron plat de l'ACN. Simple, non? D'accord. Mauricien Mauricien aussi dit ça. Pas moi qui dis ça. Mauricien Mauricien aussi pour lui dit. OK? Et, Pravin Jagdan, bien par quoi, qui comment dire? À cause de toutes les affaires là, peut dérouler dans l'opposition qui, comment dire, Mauricien peut oublier ce que le gouvernement peut faire. Ça n'a pas pour oublier ça. Il est ancré dans sa Mauricien, ça. Sa qualité piazine déroulée dans sa pays, qu'en cours peut dérouler, et ce qui peut arriver divan aussi. Mais je vous ai rendu compte. Je me disais, ce jour compter. Mon coup peut dire. Pravin Jagnat, ce jour compter en tant que Premier ministre, parce que sa pays là peut trop souffrir, que tout le monde Mauricien peut souffrir. Nous retrouvons après cette courte page de pub. Le dernier numéro de votre magazine, Le Défi Moteur, est en kiosque à 50 roupies seulement. Au sommaire de votre magazine préféré, des essais, l'actualité auto et moto, des reportages, vos rubriques, portraits, vintage et tuning, et sans oublier votre guide d'achat. Bonne lecture! Savez-vous que même la nuit, toute la magie de Casella prend vie? Tous les samedis soirs, redécouvrez Casella by Night, une expérience féerique en pleine nature. Amusez-vous dans le monde enchanté de Pangea, avec ses manèges et son restaurant sous les étoiles. Et pour les plus intrépides, le Tulawaka Night Rider vous attend pour un tour de folie. Casella by Night, c'est les samedis soirs à partir de 17h. Entrée gratuite et fun assuré jusqu'à 21h. Si vous avez passé la journée au parc, raison de plus pour prolonger l'aventure. Casella like nowhere else. Yacine Mitou a participé à un exercice de reconstitution des faits dans l'enquête sur le meurtre de Malan Fakou. Cet habitant de Valépito s'est expliqué sur son alibi fourni au limier de la MCIT, c'est-à-dire qu'il s'était rendu à Beaubassin le soir de la fusillade pour livrer du bois. Une rencontre qui a eu lieu dans une salle de la capitale est également au centre de cette enquête. Les organisateurs seront prochainement entendus chez Adjadou. Cette réunion tenue une semaine avant le drame intéresse les enquêteurs. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes lors de ce rassemblement. Parmi le suspect, Yacine Mitou. Les différents discours tenus seront passés au crible par les enquêteurs de la MCIT. Ce matin, lors de l'exercice de reconstitution des faits, le cortège de police s'est arrêté devant cette salle à la rue Popenessi, où les éléments du Scene of Crime Office ont fait des photos et vidéos. Direction ensuite Beaubassin, à l'endroit où Yacine Mitou dit avoir effectué une livraison de bois. Les limiers ont par la suite refait le trajet jusqu'à la capitale, au domicile de Yacine Mitou, à Valépito. Un exercice qui s'est déroulé en présence des commandos du GIPM et de la SSU.
Parlons à présent de l'enquête judiciaire en cours sur la mort de Soupramania Kisnen. Deepak Bonomali a été interrogé under warning au poste de police de Moka aujourd'hui. La magistrate Mangro Jagannath a ordonné l'ouverture d'une enquête pour délit de faux témoignage. Dans sa défense, le directeur de Beau Digital a évoqué des raisons de sécurité qui l'auraient poussé à ne pas fournir certaines informations avec exactitude. La semaine dernière, le représentant du DPP avait déposé une motion sous l'article 126 de la District and Intermediate Courts Act. Maître Azam Niroy avait demandé à la Cour de sanctionner Deepak Bonomali. Lors de la séance jeudi, le directeur de Beau Digital avait dans un premier temps refusé de divulguer son adresse à l'issue de cet interrogatoire. Deepak Bonomali a été autorisé à partir. Et les travaux dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la mort de Soupramania Kisnen se sont également poursuivis en cour de Moka ce lundi. Vinaya Panna dit avoir rencontré Soupramania Kisnen à deux reprises en juin 2020. C'est ce qu'expliquait l'homme d'affaires qui était dans le box des témoins, Shivani Venkatachalam Chinnaman. La magistrate Vidya Mangro Jagannath a ordonné l'ouverture d'une enquête policière pour délit de faux témoignage contre Deepak Bonomali, cela en vertu de l'article 126 de la District and Intermediate Courts Act. Ce ruling fait suite à une motion déposée par le représentant du directeur des poursuites publiques, Maître Azam Niroy. Ce dernier avait demandé à la cour jeudi dernier de sanctionner Deepak Bonomali. Le directeur de Beau Digital avait dans un premier temps refusé de divulguer son adresse avant de se raviser et de déclarer avoir changé d'adresse pour des raisons de sécurité. Quant à Vinay Apana, il a expliqué avoir rencontré Soupramania Kisnen pour la première fois à la Luise. C'était à son bureau en relation avec la construction d'abribus. Il a soutenu qu'à l'époque, il voulait augmenter la capacité de construction d'abribus et qu'il avait demandé des documents sur sa compagnie. Par la suite, Vinay Apana dit avoir croisé Soupramania Kisnen lorsqu'il est venu déposer les documents au bureau, mais les négociations n'ont pas abouti. Vinay Apana a été prié d'apporter des documents sur ses compagnies. L'homme d'affaires a aussi indiqué qu'il n'est plus directeur de la compagnie AV Technoworld et a affirmé qu'il connaît Nita depuis mai 2020 mais ne connaît pas Nutshed et qu'il a connu la compagnie Nitiselect à travers un prospectus remis à lui par Ashwin Punit. Son audition a été ajournée à demain. Coup d'envoi de la campagne de vaccination pour les personnes âgées de 60 ans et plus à la Médiclinique de Triolet ce matin. Kailash Jagatpal, ministre de la Santé, était sur place. L'objectif, dit-il, est de vacciner 100 personnes par jour dans les centres de santé de Lille. Plusieurs personnes ont reçu leur première dose du Covishield. Et les vaccinés estiment que cette première dose est importante pour se protéger contre le coronavirus. Témoignage. Là, on finit de faire le vaccin, on a également repassé le docteur. On fait attendre pour passer le docteur. Côté été, tout le monde, entier pays, entier le monde, peut bien. Mais il y a des gens qui sont capables d'arriver à quelque chose, mais seulement les obliger. Les obliger parce que dans le monde, partout, je peux faire vacciner. Vous êtes venu vous faire vacciner? Oui. À Triolet, parce que je compte partir pour le Canada en mai. Donc c'est pourquoi aussitôt qu'on a commencé avec les vaccins, là, je me suis dit qu'il faut me faire vacciner avant de partir pour me protéger. Donc la deuxième dose, je crois bien que ça devrait se faire avant les 12 semaines. Oui. D'accord, et vous voilà. Êtes accompagné de votre mari? Oui. Bonjour. Vous êtes monsieur? Sydney. Sydney. Oui, oui. Je suis accompagné, mais je profite de l'occasion pour me faire vacciner moi aussi. Pour vous, se faire vacciner, c'est essentiel avec la pandémie? Oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui nous attend demain. Parce que la santé, on ne vaccine pas avec la santé. Parlons de culture, de peinture et de photographie maintenant. Il s'agit de patriotisme à travers l'art et de voyage dans le temps également. Depuis hier, les œuvres d'une dizaine d'artistes avec le soutien de la Save Art Association et de la Pravasi Ghat sont exposées aux heures d'ouverture du site du patrimoine mondial de l'UNESCO à Port-Louis. Vous y trouverez environ une vingtaine de toiles ayant pour thème le mauricianisme, cela dans le cadre des célébrations de l'indépendance, une exposition baptisée The Essence Of et que vous pourrez admirer jusqu'au 19 mars prochain. La présidente, fondatrice et art manager de la Save Art Association, Sévanie Apavou, parle de valoriser les artistes et l'art mauricien. Sa manœuvre-là, c'est une manœuvre qui parle sur une scène typique qui peut arriver à l'époque de mon village, tout ça. Donc, de trouver surtout mon coupeur de canne, mon madame qui est en train de cuire, de manger le feuillet, comme on appelle. Et sa manœuvre aussi, il représente ça à travers mon tableau ou mon photographie aussi. Donc, cette fois-ci, c'était plus pour mettre en valeur les artistes aussi, mais surtout la culture de l'île Maurice. Nous, thème, au fait, c'est le mauricianisme. Donc, the essence of, c'est l'essence des choses, de
la culture et de la tradition mauricienne. Moutenia a fait ressortir une chose avec la COVID qui nous passait l'an dernier, surtout avec le lockdown. Manotti s'est mis en surtout et ses travaux en ligne. Donc nous pas bien ça l'approche avec ban visiteurs là presque du tout. Pour nous c'est votre c'est nos premiers là depuis le lockdown, c'est nos premières activités cette année-ci qui nous peut faire que nous avons envie et c'est encouragement de visiteurs à venir sur place. Et à Rodrigue, c'est la fête du poisson et de l'ouverture de la pêche à la Seine, une tradition qui a fait se déplacer de nombreux habitants de l'île, comme vous pouvez le voir sur ces images prises à Campintade ce matin. Ils ont dû attendre depuis septembre dernier pour reprendre cette activité. La pêche à la Seine est interdite durant cette période, de septembre à mars, afin de permettre aux poissons de grossir dans les lagons. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée, merci de l'avoir suivi, bonne soirée.